Il y a certains événements qui sont des signes précurseurs. Il y a des postures politiques publiques qui annoncent la fin de quelque chose. La dépréciation de tout un symbole. Denis Sassou Nguesso s'est effondré à l'ONU après avoir été informé du potentiel coup d'État contre son régime. Pire encore, lorsqu'il a su et regardé notre vidéo de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, qui l'a publiquement renié face aux activistes panafricains devant son hôtel à New York. Le despote congolais était inconsolable. Il ne fait plus confiance à personne. Nul n'est sa proche famille. Son expression faciale n'a laissé personne indifférent. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est aux abois. Cela ressemble bien à une fin de règne. La trahison a revêtu le costume du silence et de la fausse obéissance. Un air de déjà-vu est sur le point de se produire. Qui veut la peau du ministre André Okombi Salissa? Denis Sassou Nguesso, ange ou démon?